Je vis sur le Niortais et le Haut-Val de Sèvres et mon entreprise, puisque je suis dirigeant d'entreprise, est hébergée sur le Niortais depuis maintenant une dizaine d'années. La découverte de Niort se fait au travers d'un certain nombre de rues historiques. On se retrouve très vite sur la place du marché où on a des halles qui sont très fréquentées les jours de marché. On se retrouve autour du donjon. On peut aller aussi sur Port-Boisneau, les nouveaux aménagements. On peut très vite se retrouver en bord de Sèvres à prendre un café au soleil avec des vues magnifiques sur le donjon. Le Haut-Val de Sèvres qui reprend un territoire de 19 communes avec sa ville centrale Saint-Mexant-l'École. Une grande diversité de patrimoine et d'architecture allant de Pamprou et ses halles médiévales en passant par tout un tas d'églises ou de lieux, de placettes dans tous les villages. Quand on arrive à Saint-Mexant, on arrive dans la ville par la porte Chalon. On peut aller jusqu'au cloître de l'abbatiale de Saint-Mexant-l'École. On peut aussi se rendre à Aqualibris, cette ancienne piscine militaire qui a été réhabilitée en médiathèque. Aujourd'hui, sur notre territoire, on trouve un grand nombre de parcours autour du Terra Ventura qui permettent de découvrir les villages du territoire du Niortais et du Val de Sèvres. On a aussi une découverte intéressante autour des tumulus de Bougon. Sur notre territoire, on va retrouver tout type d'entreprises industrielles. L'entreprise Soignon, qui fabrique du fromage de chèvre. Serval, par exemple, qui va transformer de la poudre de lait. On va retrouver la minoterie Belot, qui transforme du blé. Des entreprises autour de l'aéronautique, type Safran, Leach International. On a Pierre Guérin, qui fait partie des fleurons industriels de la métallurgie, avec la fabrication de cuves à destination de la pharmacie ou des industries. Aujourd'hui, les entreprises de notre territoire recherchent tout type de métiers et qualifications, des opérateurs de maintenance, techniciens de maintenance, des soudeurs, des chaudronniers. On est aussi à la recherche de personnes qualifiées autour de postes administratifs, d'encadrement, autour des postes d'ingénieurs. On a besoin aujourd'hui de carrossiers dans les entreprises comme Livner, dans le secteur aéronautique, de monteurs-câbleurs, d'opérateurs électriciens. On est aujourd'hui situé sur un nœud autoroutier qui permet d'être à 1h30 de Bordeaux, 1h30 de Nantes, 1h30 de Tours. En 45 minutes, on est rendu à la mer. Deux gares sont à notre disposition pour aller très vite sur Paris. En 1h40, on est aujourd'hui à Montparnasse. Je reste sur le Niortais et le Haut-Val de Sèvres, tout simplement pour le climat, le cadre de vie, la convivialité et le travail avec toutes les entreprises au quotidien.